Bonjour tout le monde! Alors, c'est le printemps qui arrive enfin et avec lui, c'est le retour en masse des oiseaux. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette semaine le livre « Les 100 plus beaux oiseaux de chez nous ». Donc, le livre qu'on vous propose, comme je disais, c'est « Les 100 plus beaux oiseaux de chez nous ». Le livre qui est juste ici, vous voyez, c'est un très beau livre que je vous conseille si vous vous intéressez, si vous aimez, vous voulez attirer des oiseaux cet été sur votre terrain. Je dis l'été, là, mais c'est quatre saisons. Donc, vous allez apprendre tout dans l'ouvrage quels sont les arbres, les arbustes, les fleurs que vous devez planter, parce qu'évidemment, ce n'est pas toutes les espèces d'oiseaux qui se nourrissent des mêmes choses. Il y en a qui vont prendre des petits fruits, d'autres, ça va plus être du pollen, et ainsi de suite. On va vous dire aussi quel genre de mangeoire que vous devez installer. Je vais vous montrer juste un exemple dans l'ouvrage juste ici. Vous voyez, on nous montre les différents types de mangeoires selon encore là les espèces d'oiseaux que vous voulez attirer. Ce ne sont pas tous les oiseaux qui vont aller dans les mêmes types de mangeoires. Et aussi, on va vous indiquer tout ce que les oiseaux vont manger. Encore là, si vous voulez attirer vos oiseaux. Et évidemment, qu'il y a la grosse portion de l'ouvrage, ce sont des fiches sur les différentes espèces d'oiseaux. Par exemple, vous voyez ici, le merle bleu de l'Est, très bel oiseau. Donc, bon, si on vous dit là, dans la fiche technique, vous allez voir, entre autres, là, on va voir bon, les couleurs, on va vous dire qu'est-ce que l'oiseau mange si vous l'attirez. Est-ce qu'on est situé dans une région où on peut l'avoir chez nous? C'est en choisir Appalaches, c'est une période de nidification, sa grandeur. Donc, vous allez tout savoir ce que vous pouvez connaître sur l'oiseau en question si jamais vous souhaitez l'attirer chez vous. Donc, c'est un très beau livre. Et puis, j'en profite pendant que je vous parle du livre des 100 plus beaux oiseaux de chez nous pour vous dire que la bibliothèque fait aussi la période de trousse pour observer les oiseaux. Donc, ça pourrait être un complément à l'ouvrage ici, puisque dans la trousse, il y a entre autres des jumelles. Donc, vous pourrez mieux voir les oiseaux qui viennent chez vous. Et puis, pourquoi pas vous installer quelques mangeoires et pour pouvoir les observer, ça va être encore plus fantastique. Vous allez pouvoir voir les espèces avec les jumelles. Là, avec le livre, vous allez pouvoir les identifier. Des heures de plaisir, quatre saisons, mais c'est encore plus merveilleux le printemps alors que c'est la saison des amours. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine.